In May 1981, François Mitterrand is elected president of the French Republic. The French Secret Service is not very happy about the socialists coming to power. Especially since there are now communist ministers in the government. These are the Cold War years, and even some of France's loyal allies, such as the United States, are starting to wonder how reliable France and her new socialist-communist government really are. Le numéro 2 américain à l'Élysée, George Bush, vice-président, a déjeuné aujourd'hui avec François Mitterrand. Justement, la présence de ministres communistes au gouvernement français a été l'un des premiers sujets de discussion avec François Mitterrand. Our European allies are sovereign nations, and the decision on how they are governed rests with their citizens and with their elected representatives. However, the position of the United States on the subject of communist participation in the governments of our allies is well known. It's up to Mitterrand to handle this diplomatic crisis with the United States. He does not yet know it, but it is his counter-espionage service that will provide the solution. The DST, the Directorate of Territorial Surveillance, is working on a highly sensitive dossier, the scoop of the century for French intelligence. It is an affair that will restore the new president's prestige with the Americans and prove to them that he has no truck with Moscow's spies. The dossier's name is Farewell. In the spring of 1981, a KGB agent, Vladimir Vetrov, contacts the Directorate of Territorial Surveillance. He was posted to France by his agency in the 1960s. For a Soviet, Paris was paradise on earth. He fell in love with France then, and his wife and son did too. His posting at an end, though, Vetrov's return to Moscow was grim. While his colleagues climbed the ranks, he remained stuck. By now, his disappointment has given way to hatred for the KGB. He wants to destroy it, to betray it. He hands over to the West all his Cold War spoils, the fruits of all his technological pillaging of the capitalist world. Thousands of documents of inestimable value now land on the desks of the DST. This is a vast affair. For the department, it is the biggest communist operation of the century. And it must remain top secret. The head of counter-espionage immediately baptizes it Operation Farewell. Vous savez pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Parce que Farewell, ça pouvait laisser penser à supposer qu'il y ait une fuite quelque part. C'était forcément une affaire anglo-saxonne, disons. Farewell, ça donnait une connotation américaine et ça orientait peut-être des recherches des soviétiques vers les Américains. If the rules are to be respected, this should be a matter for the DGSE, the French Intelligence Service, since the theater of operations is abroad in Moscow. Socialist Defense Minister Charles Hernu is responsible for the DGSE and a close friend of Mitterrand. He should know of the operation. But Marcel Chalet decides to inform only his own superior, the socialist Minister of the Interior and former resistance fighter Gaston Defer. Lorsque j'ai parlé de l'affaire, il m'a dit n'en parlez pas à Hernu. Et il a ajouté, il raconte tout à sa femme. Si vous l'informez, dans la demi-journée, tout Paris va être au courant, sa femme, etc. Voilà. Charles Hernu is out of the loop, but the time has come to inform François Mitterrand. Ça se passe le 14 juillet, à l'issue de la Garden Party. J'ai expliqué au président ce qu'était cette affaire, comment elle était née, son visage, malgré sa capacité de contenir ses émotions, était tout à fait significatif de l'intérêt extraordinaire qu'il attachait à mes propos. On the 19th of July, 5 days after hearing the news, Mitterrand travels to the G7 summit in Ottawa. The French president tells his American counterpart, Ronald Reagan, that France has an exceptional source deep inside the Soviet system. D'après les informations qui m'ont été données par la CIA, ils ne se sont pas du tout compris. Du tout compris. François Mitterrand a dit Farewell, ce qui veut dire portez-vous bien, et Ronald Reagan a pris ça au premier degré, j'en sais rien, en tout cas, il n'y a pas du tout compris.
Reagan knowing about it changes nothing, though. The Soviet spies are still active. The heads of the different services urgently need to meet to discuss the affair in detail. Marcel Chalet leaves for Washington to meet with Vice President George Bush, the former head of the CIA. Le voyage aux États-Unis était évidemment nécessaire et même urgent, puisque Farewell nous avait appris que le système de couverture radar qui commandait la protection des États-Unis contre une attaque nucléaire, par exemple, et le système de protection de la Maison-Blanche elle-même était connu des Soviétiques. Il était urgent de dire aux Américains que leur système avait été démasqué et qu'il fallait qu'ils le changent. The DST chief meets with all the directors of the American security apparatus and reveals to them the full extent of what Moscow has learned. Cette révélation, il la reçoit avec une extrême surprise. George Bush a dit que c'était probablement une des percées les plus significatives depuis la Seconde Guerre mondiale dans le système soviétique. This is obviously the most significant breakthrough of the Iron Curtain. J'ai entendu ça avec beaucoup de plaisir, mais ça correspondait bien à l'image que je m'étais déjà faite de cette affaire et des perspectives qu'elle offrait. Although the affair has been unfolding outside France for over 2 years, the new director of the DGSE, Admiral Pierre Lacoste, has no more been kept up to speed than his predecessor was. La DST ne m'a pas mis au courant de l'affaire Farewell. Ça n'a pas effleuré notre esprit, monsieur. Hein? Ça n'a pas effleuré notre esprit. Et j'ai le souvenir d'une scène absolument fantastique où un colonel de la DGSE, qui était chargé du contre-espionnage, il me dit, vous savez, à Moscou, c'est impossible de traiter la moindre affaire. À 1m50, dans mon coffre, il y avait 300 ou 400 documents de l'affaire Farewell. Vous lui avez rien dit? T'es un excellent ami, mais... En fait, c'est une très grande opportunité que ce soit la DST qui ait traité le dossier Farewell, parce que si ça avait été un agent de la DGSE, les Soviétiques n'auraient pas manqué de l'intercepter. Mais c'est parce que ça a emprunté des voies tout à fait anormales, d'anormales dans la logique administrative, que l'affaire Farewell a réussi. In 1983, the DST hasn't heard from Vetrov for over 10 months. He's no longer showing up for the usual rendezvous in Moscow with his contact. It doesn't matter. The DST has enough proof by now. It's time to strike back. Its new director, Yves Bonnet, asked to meet with the President of the Republic for instructions. Et à la fin de mon exposé, François Mitterrand me demande « Et alors, que me proposez-vous » Je lui ai dit « Je vous propose l'expulsion d'une quarantaine d'officiers de renseignement de l'ambassade d'Union soviétique à Paris. » François Mitterrand me répond aussitôt « Allez-y ». Il me répond si vite que j'ai un petit trouble. Je me dis « Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce que je me suis bien fait entendre ?» Et donc, je réitère ma question, quitte à paraître un petit peu insolent, mais supposer qu'on se mette à expulser une quarantaine de diplomates soviétiques alors que le président n'avait pas très bien compris, ça ferait, comme on dit aujourd'hui, ça ferait désordre. Donc, je renouvelle ma question et il me répète les mêmes mots. Allez-y. Aval du président, et qui a quand même dit autant que ses propos m'ont été rapportés, vous avez quand même eu la main un peu lourde. Expulsion isn't a very popular word at the Ministry of Foreign Affairs, but it's now known that the French ambassador to Moscow's telex was riddled with bugs and that this pillaging has been going on for 5 years. The diplomats are humiliated. They agree to retaliatory measures. On the 27th of March 1983, the Quai d'Orsay informs the Soviet ambassador that several members of his staff are to be declared personae non gratae and expelled. François Cher, the Minister of External Relations Chief of Staff, is given the unpleasant job of informing the Soviet embassy in Paris, in the person of Nikolai Afanasyevsky, who has come to protest the decision.
Je le reçois tard, 21h, 21h30 le soir, dans mon bureau au Quai d'Orsay. Je lui communique, c'était le scénario que j'étais convenu avec Bonnet, je lui communique le document soviétique qui faisait clairement valoir tout ce que nous savions en ce domaine. Je le lui tends, il le consulte d'un air dédaigneux. Quand le haut fonctionnaire du ministère français des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur russe à Paris, en lui disant « Monsieur l'ambassadeur, vous faites de l'espionnage, c'est inadmissible, voilà la preuve ». Et il lui a montré un rapport ultra secret fourni par Farwell. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté ? L'ambassadeur était tout sauf un idiot, surtout qu'à l'époque, l'ambassadeur russe, il en savait un bout sur les services. Il a bien regardé le papier en question, et l'enquête a été lancée en Russie en disant « Qui a eu connaissance de ce papier ? Qui a pu l'avoir entre les mains ?» Et progressivement, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y en avait que 5 ou 6. Farwell était mort. Protéger les sources, c'est le base même des services. Malheureusement, beaucoup de gens l'oublient, y compris dans la fonction publique. Ça a duré même pas peut-être 30 secondes, et il me le rend en me disant « Tout ceci n'est bien évidemment que faribole et ne correspond à rien ». Quel choc et quelle rapidité d'exécution. Un coup de balai diplomatique comme celui-là, on n'avait jamais vu ça. Je vous laisse découvrir les images que vous voyez en direct. Diplomates, journalistes et autres, all described as agents of the secret services of the Soviet Union. Les expulsés et leurs familles, environ 150 personnes, montent dans les véhicules. 13h37, les véhicules démarrent, direction Roissy. C'est la première fois que la France procède à une expulsion aussi massive de diplomates soviétiques. Enfin, je mets le mot diplomate entre guillemets. 47, c'est quand même, même si c'était une grosse ambassade, c'était très spectaculaire. On a presque vidé l'ambassade. Malgré la ruée des journalistes, ils ne font aucune déclaration jusqu'à l'embarquement vol 1252. Les conséquences politiques sont déjà évidentes. C'est la crise la plus grave entre Moscou et Paris. Paris punishes the Russians in front of the whole world. But the reasons why remain a state secret. Je rencontre un jour François Mitterrand qui me dit, ben sans rire, « Ah, vous m'en avez fait faire une bonne. Vous, figurez-vous que l'autre jour, j'ai demandé un de mes correspondants habituels à l'ambassade soviétique, M. Tcheverikov, et on m'a répondu, « Mais comment, Monsieur le Président, vous l'avez expulsé ?» Et Mitterrand me dit, vous vous rendez compte, vous m'avez fait expulser un de mes meilleurs amis, si ce n'est mon meilleur contact, au sein de l'ambassade d'Union soviétique. Or, Tcheverikov était le résident du KGB, et ça, manifestement, le président de la République l'ignorait. A few days later, France sends out envoys to all its allies, who are also now aware of the extent to which their security has been penetrated, to explain this decision. The farewell mole's working methods are old-fashioned. His list of agents' names, addresses and phone numbers is handwritten, but it will cause enormous upheavals. Algeria, Belgium, Holland and Switzerland, Spain, Italy, Denmark, Canada and Japan. Everywhere, the reaction to the DST's revelation of how much Vetrov knows is one of horror. 215 Soviet Secret Service agents are identified in 15 countries. Many of them are sent home. On a complètement détruit leur système de collecte du renseignement scientifique et technique dans le monde occidental. La DST s'est retrouvée dans ces années-là comme, très franchement, un des très grands services de sécurité de l'Occident. Et nous avons pu traiter vraiment d'égal à égal avec les meilleurs services occidentaux. Je me souviens de la réflexion d'un officier de la CIA qui nous a dit ben, vous êtes meilleur avec vos gommes et vos crayons, vous êtes meilleur que nous avec des ordinateurs dernière génération. Ronald Reagan congratulates François Mitterrand, saying this is one of the most important espionage cases of the 20th century. Thanks to this extraordinary case, the DST has enabled Mitterrand to settle a very serious problem of diplomacy. He has deflected doubts about the communist ministers in his government and shown the Americans that France remains a trustworthy ally.
The DST, until now the object of suspicion, has become for Mitterrand the subject of great satisfaction. For Vladimir Vetrov, Farewell's mole, the endgame is a tragic one. The evidence presented to the Soviets allows them rapidly to identify him. He is executed. But his very existence remains, for the time being, a state secret. Both the public and the press remain ignorant of why so many Russian diplomats have been sent home. This affair has to stay under wraps.